Salut amis de YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Crafter. Ça doit être à l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus. Bon, ça sera indiqué de toute façon sur la vidéo. Alors j'étais pour placer des foreuses. Je me suis dit, bah je vais quand même montrer en vidéo cette partie là quand même, parce que ça va quand même avancer. Après je vais me retrouver avec plein de foreuses. J'ai remis aussi des panneaux solaires. Mais là il me faut du titane. Mais est-ce que je vais avoir assez pour reposer encore une foreuse? Oh tiens, ok, ah, ça c'est... C'est météorites qui sont tombées le 23. Bah, je peux encore replacer une. Hein. Petit morceau de titane, je vais aller en chercher plutôt que le prendre dans mes coffres. Ça sera mieux. Alors, du titane, ben voici. Et il faudra... Je vais peut-être pas avoir assez de d'alu sur moi. Ouais, j'ai plus que deux alu. J'aime bien les mettre autour des rochers comme ça, ça fait... Je sais plus si j'avais dit dans une autre vidéo. Ça fait roleplay en fait, hein. Ça casse les rochers. Sympa. Qu'est-ce qui a été débloqué? Parce que bon, je farm un petit peu quand même entre deux, hein, parce que sinon, si je fais... toutes les vidéos, chaque minute que je passe sur le jeu... Il y a des choses, c'est pas forcément toujours intéressant, le farm, etc. Chauffage T3, ah bah j'ai ça, chauffage T3. C'est débloqué. Chauffage T3. Je pourrais en faire un en fait là, peut-être. Il me faut aluminium. Aluminium. Titane. Titane, fer et deux iridium. Titane. Et deux iridium qui doivent être là. Nouveau message reçu. J'ai aussi un petit peu réaménagé là. J'ai mis deux... Voilà. Ah bah voilà. Nouveau plan reçu. Extracteur de minerai. Bah top. J'ai mis deux bureaux comme ceci. Et là je voulais mettre le... Cet écran là pour la réception des messages, je n'ai pas encore installé alors que j'ai déjà la parabole. Donc chauffage T3. Donc là je vais raménager dans le fond comme ça. Ça c'est gros, non? Oui, c'est assez vrai que c'est gros ça. Je vais le mettre là comme ça, mais. Forcément, au niveau alimentation électrique. Et puis, avoir ce qu'il faut. Il faudrait vraiment faire ça. Hein. Il me faut 2 cobalt, un alu. Est-ce que je peux... Je peux en faire plus encore. Pour faire le panneau solaire, il faut un fer, magnésium, un silicium. Voilà, comme ça je pourrais en faire deux supplémentaires. J'espère que ça va réalimenter. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est reparti. Je vais regarder ce qu'il faut pour poser là. Osmium. Ah oui, de l'osmium. De l'osmium, ok. Je
pense savoir où aller pour aller chercher ça, mais je pense pas que ça soit encore fondu. Hein. De fer, j'ai un silicium. Silicium. Non, pas du cobalt. Pas du magnésium non plus. Bon, ça, je peux le reposer. Faut du. Cobalt. Du titane. Ah bah, il est là, mon titane, mais. Je ne vois pas mon titane. Donc, c'est deux. Et puis, trois fers, c'est ça? Trois fers, ouais. Trois fers, ça, j'ai assez pour poser ma petite. Maisonné, j'ai deux bouteilles d'eau, j'ai pas besoin d'autant, peut-être prendre une ration. J'ai mangé, mais ça se pas. Je vais prendre ça en secours, je poche ça. Je prends une bouteille d'oxygène. Bon, je vais refaire des petites bouteilles d'avance. Voilà, et là je vais aller par là, il y a la grotte déjà d'iridium ici. Hein. Déjà je vais me mettre bien au niveau de l'iridium, farmant ici. On a toute cette zone là-bas, glacier. Il n'était pas avant. Je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, plateforme de lancement. Ok. Tout se débloque là. Chose qui se débloque. Même de la lune ici. D'accord. Ok. Iridium. Ça va servir beaucoup l'iridium. Il y a pas mal d'aluminium aussi ici. Vraiment bien ça. Ça veut dire qu'on peut peut-être en récolter un petit peu aussi lors des extractions. Je sais pas. Ici. Je vais mettre ça là. Voilà. Ah, pas mal, hein. Je suis pas mal, même en aluminium, c'est vraiment bien. Bon, très bien. C'est vraiment un endroit où bah, il faut venir en début, hein. Début de jeu là, pour explorer dans cette grotte. Même en aluminium, ça permet de faire un complément par rapport à la zone de farm d'aluminium. Il faut que je retourne, parce que j'ai pas assez pour faire un coffre. J'ai pas envie de lâcher tout au sol pour prendre les ressources, bah, prendre trois fers et un fer et faire un coffre ou trois fers. Quoique non, j'ai pas. Si, là aussi, c'est vrai que j'ai les coffres, les grands coffres maintenant avec qui se craftent avec trois fers. C'est pas très vieux encore. Ça monte bien en haut à droite, hein, la terraformation, l'indice de terraformation. Ça va vite. Ça va bien quoi. Donc
Je vais mettre ça ici. Et lui aussi. Je vais pas prendre mes ressources ici. Et je vais... tourner encore en farmer. Hein. Je peux encore en farmer. C'est intéressant comme... minéraux. Il me semble qu'on le sait, ouais. Iridium. Vraiment très intéressant. Il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup après pour certains crafts. Hein, de toute façon, ça se voit tout de suite quand on garde les chauffages. Chauffage T3, là. Une barre, ça fait 9... 9 iridium pour une barre, donc il en faut vraiment beaucoup. Je reprends un petit peu d'oxygène avant d'aller voir au-dessus. Donc je voulais aller voir... celui-ci. Ah voilà, c'est encore bloqué. Forcément. Et après ça se débloque et je crois que c'est ici on a de l'osmium. On peut avoir de l'osmium ici. Hein. Puis après mettre une foreuse là et... avoir de l'osmium à profusion. De faire quoi, voilà. Si comme ça je vais pouvoir mettre un grand coffre, ça sera beaucoup plus pratique que le petit, hein. Voilà, ça je prends encore plein à récolter là. Cette grotte, c'est bien ça. Ça met vraiment bien pour ces fameuses barres d'iridium. On va pouvoir faire chauffer. Ah bah super, encore de l'alu. Qu'est-ce que c'est ça? Des graines de haricots. Ça c'est très bien, ça nourrit bien les haricots. Donc je vais remplacer ça dans mes... nouveau plan reçu, biodome T1. Ok, bien. C'est très très bien ça.
Donc, qu'est-ce que ça, je vais laisser là. Je vais prendre le... ça. Les rations, hein, j'en ai... j'en ai... trouvé quelques-unes, j'allais dire récolté. J'en ai trouvé quelques-unes dans les coffres, c'est vraiment bien. Pourquoi l'exploration? Bon, de toute façon, ça fait partie du jeu, hein, vraiment. Faut explorer. Et au fur et à mesure que la planète évolue, de toute façon, il y a des zones qui s'ouvrent comme ça, la glace fond. Des zones qui s'ouvrent. Niveau d'hydratation, oui. Je sais. Donc. Ah bah là j'avais rien mis, tiens. Bon, d'accord. Ah, j'ai oublié de mettre les... Oh bah d'accord, ok. Ah bah super, c'est comme ça que je compte avoir de la nourriture sans mettre les graines dedans. Donc, chauffage. Donc ça, le réacteur, j'ai 3. Ça, super, là j'ai... Il me manque une barre de... J'ai pas la barre de... J'ai pas la barre de uranium. Ça aurait vraiment fallu que j'en trouve une. Ça m'aurait vraiment mis très très bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai la puce aussi à débloquer là. Ce que ça me donnait comme plan. Et il faudrait vraiment que je me fasse un... Je vais prendre ça. Je vais faire un coffre... Faut que je me fasse un coffre plus grand là parce que qu'est-ce que je vais mettre pas ça dedans là, c'est plus possible ces petits coffres là, c'est bien pour dépanner mais ah ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, faut que je fasse du tri. Tout ça dedans. Ça aussi. Ça aussi. Bon, la nourriture, j'aurais pu la ranger direct dedans. Dans son coffre. Ça passe là. Ah, ok. Bon, ça va être gêné par ça là. Enfin, je bouge aussi ça. Que je bouge aussi. Donc là, je vais faire le coffre uranium. Ura et iri. Uranium et iridium. Ouais, faut que je me refasse un coffre aussi avec les plantes là. Ouais, parce que là, je vais mettre. Si je fais comme ça, je vais mettre beaucoup de temps à tout bouger. Petit coffre comme ça. Ça va me dépanner quand même, quoi. Voilà. Et voilà, c'est un peu plus clair comme ceci. Le fer, je prends ça, ça. Mettre ça, bon non, ça je vais le mettre avec le fer ou l'alu. Ouais. Alors, donc cette puce, elle débloque quoi ? Nouveau plan, recycleur. Ok.
Un recycleur. Pas mal. Ici, nous avons toute la nourriture. Et là, je voulais faire quoi? Ça, il me manque la barre d'uranium. J'en ai pas trouvé dans le vaisseau, dans les deux vaisseaux. Pas de barre. Hein. Non, hein, je regarde partout, mais... Je vais te le mettre. L'écran des messages. Silicium. Je n'ai pas encore posé. Il faut. L'écran des messages. Alors, les messages. Ça nous explique. Notre intégration à Sentinel Corps, et puis ce qu'on doit faire. On n'a pas le droit non plus de partir de la planète tant qu'on n'a pas de re-terraformer celle-ci, qu'elle soit vivable. Dans lequel elle est trop envoyée. Voilà, et par ça, la ration les rations de nourriture dans la capsule. Je devrais construire ta base en altitude, mais je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, ça doit être certainement parce que... Donc là, j'ai la pluie, là. Mais oui, là, j'ai la pluie. Aïe. Enfin, ça, c'est bien, ça. Faut pas que ça y est. Je ne me rappelle pas l'avoir entendu avant. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai mon aubergine et là je pourrais donc faire des chauffages. Il faut vraiment que j'explore pour trouver d'autres d'autres sources, et surtout si je peux trouver des barres toutes faites, ça serait vraiment très bien quoi. Voilà, je vais faire notre petite maison portable. J'ai de l'eau, une ration. J'ai déjà mangé là. Je vais boire aussi. Et puis ce que je vais faire, c'est que... Alors là-bas c'est bloqué. Je vais aller plus loin par là, après la zone d'aluminium. Ou alors après, il faudra que j'aille, il y a un gros vaisseau là-bas. Peut-être que ça mettrait bien aussi, ce vaisseau. Je vais aller faire ça, aller dans les vaisseaux, il y a beaucoup de ressources en général. Donc, je vais d'abord passer là-bas, je ne sais plus si j'ai laissé des choses dans ma petite capsule là, maison là. Je vais laisser des choses encore dans le coffre. Ok, ouais, du tissu et des plantes, ok. Alors, je vais les récupérer. La direction, le gros vaisseau. Toute la zone des glaciers. Tout ça, ça va fondre certainement, hein, pour donner accès à peut-être à
sonne encore après. Ou alors ça se transforme en eau et ça va faire des lacs, je sais pas. Ou alors l'eau s'écoulera. Oh, donc là-bas, il y a un accès. Ok. Où est-ce qu'on est? Où est-ce que... Ah bah là. Ah bah super, un coffre déjà. 300%, ça c'est bien. Pas d'accès ici, hein, non. Donc 300%. On accède par où ici là? Où est-ce que j'entre? Où j'entre? Et bon, le truc c'est qu'il faut que je fasse ma petite habitation là pour prendre de l'oxygène. Que je puisse rentrer par les réacteurs, quoi. Ah bah là. Par ici, non? Waouh. Poste pilotage, là. Il faut pas se perdre. Hein. Ah, les couchettes. Ah, les premiers coffres. Oula, du fer. Uranium encore, haricots, bah, je suis déjà plein là, ok. J'ai plus qu'à remonter. Oh, graines de haricots, ça je prends. Encore là. Vaut mieux ça que du fer. Hein. La nourriture. D'accord, donc il y en avait. Les choses par terre. Débloqué, extra. J'aurais dû la mettre un petit peu plus près, petite maison là. C'est un peu étrange quand même, il y a un poste de pilotage. Pas loin des réacteurs. Étrange ce vaisseau quand même, non? Je peux pas reconstruire notre... C'est vraiment dommage que je l'ai mis là. À visiter dans ce vaisseau, c'est pas possible. Un si grand vaisseau, il peut pas y avoir que si peu de choses à visiter. Ce que je vais faire, ça je vais le poser. Je prends tout. Ah, je vais monter la petite maison là, petit abri. Je rentre, plus simple.
vaisseau comme ça, je vais bien trouver une part de... Par d'uranium. Ça marche à l'uranium, un vaisseau pareil. Je peux faire un coffre à fer. Un morceau de fer. Puis-je avoir un petit morceau de fer, s'il vous plaît? Il y en avait à l'intérieur, mais bon. Je vais pas retourner. Inventaire plein. Ah. Allez, mets tout ça dedans. Ah zut, je voulais pas la prendre tout de suite, mais bon, c'est pas grave. La poisson aussi, bah, je suis pas fou là, mais bon. Pas non plus, j'ai pas pris 50 boissons. Alors. Mais c'est super tout ça. Je prends tout, mais bon. Des choses peut-être un peu plus sympas. Pas à prendre. Par exemple, ce coffre. Très bien. Sympathique. Bah si c'est bon. Encore des graines. Gardez encore. Ah bah là. Ah. Je préfère prendre les graines de haricots, hein, ça c'est très 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 nourrissant les haricots. Oh, qu'est-ce que nous avons ici? Oh bah là c'est semoir. Vraiment pas mal. Ah, une puce. Hop, voilà. Je préfère lâcher le magnésium et prendre la puce. Hein. C'est plus intéressant. Ce vaisseau est très chose très 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 sympa. Hein. Les spores de champignons aussi là. Voir un tas de choses à ramener là. Seul moteur aussi, c'est bien. Moteur de fusée. Je craft fer silicium pour est-ce que j'ai de l'eau, est-ce que j'ai de la glace là? Bon, j'ai encore une bouteille d'oxygène et de l'eau, donc ça devrait aller. Bon, ici c'est que des graines, je le sais. Que c'est. C'est un vaisseau. Je veux pas que je le prenne. D'accord. Mais c'est un vaisseau, comment dire.
faisait des... la culture de plantes. Ok, là ça monte. Oh ouais, il ouais, n'y a que ça en fait. Hein, c'est... plantes, des plantes, des plantes, des plantes. Reine de courge, reine de courge, reine d'aubergine. Ouais, c'était un vaisseau où il faisait que ça, hein, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh ouais, non mais c'est fou, hein. Oh, reine de Pestera, de Tusca, Nulna. Nulna, 300%. Pestera, ok. Tusca, 400%. Ok. Rien d'autre là. Oh, j'ai plus. Ok, décrafter ça. Oula, faut que je sorte vite fait. Vite, vite, vite. Voilà. Oula. Voilà. Un coffre encore. Je vais mettre toutes les... voilà, j'ai trois puces là. Poupou, ça c'est bien ça. Hein. Vraiment très bien. Trois puces de réacteur. Du super alliage, de l'aluminium. Alors, est-ce que je prends... c'est une 300%. Je vais prendre des haricots, là. 600%. Ah ouais, j'ai une 600%, une plante 600%. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Hein, le 300, 300, 200, 400. Pour toi, ça va être sympa, quoi. Mettre aussi les graines de haricots. Qu'est-ce que je laisse ici? Bon, ça. Je vais prendre la nourriture. Hein. La nourriture, c'était quand même très important. Voilà. Bon, bah, je vais faire un aller-retour. Hein. Ah ouais, je peux pas sortir là. Ah ouais, le bloc me gêne. Ensuite. Si je fais des bêtises comme ça. Bon, ça, je dis jamais, ça me sert. On a l'aluminium et j'y retourne, je me sauve, je retourne à ma base avec toutes ces ressources par là avec le, l'espèce de tempête de sable, on voit rien du tout. Faut se repérer. Voilà, c'est tout droit, c'est bien là-bas. Pouvoir faire des choses sympas. Pouvoir peut-être même réagrandir, puis faire une pièce dédiée à la culture. Là, je vais avoir vraiment beaucoup de plantes pour la nourriture et des plantes aussi pour l'oxygène. Oh. Ok. Petit coffre avec petite ration. C'est sympa. Un petit chargement là, ça fait des petits chargements par zone hein, apparemment. Alors donc l'aluminium je le range tout de suite
Check. Ça, bon, j'ai toujours pas eu de... Toujours pas eu de barre d'uranium, c'est bien dommage. Vraiment dommage. Je récolte pas assez d'uranium pour ça. Alors, les puces, qu'est-ce qu'ils m'ont donné ces puces? Ok, donc un plan d'habitation. Et là, micropuce d'extraction. Vitesse numéro 3, ok. Nouveau plan reçu, lampe de zone. Ok. Ok, ok. Donc là, est-ce que je pourrais faire ça? Le silicium, magnésium, aluminium. De silicium. Voilà, ouais, le silicium, j'en ai pas non plus. Je suis pas riche en silicium. Hein. Enfin, je remédie à ça. Voilà. Et la petite plante à 600 ici. Si c'était quoi comme plante? Le sang. Peut-être une. Voilà, ça sera mieux. Ça, je pourrais les mettre aussi à la rigueur. Very cool. Je vais mettre un haricot, hein. C'est mieux de mettre un pousser des haricots. Je pourrais faire ça aussi. Je suis bien au niveau prod là, électrique. 29, ouais. Je pourrais mettre ça à fer aluminium. Fer et aluminium. Et une bouteille d'eau, est-ce que j'ai une bouteille d'eau? Oui, ici. Ça devrait passer encore au niveau. Ouais, ça passe, super. Donc, je vais mettre. J'ai pas d'autres graines là. Ouais, donc, je vais mettre les aubergines. Je récupérerai au. Dans le vaisseau les autres graines. Il y a vraiment de quoi faire. Faire un champ là. On peut dire ça, si on peut dire ainsi. Bon bah voilà. Voilà, franchement. Sympa. Nouveau message reçu. Oui. Quel est le message? Je suis un planète crafter envoyé sur la planète Migoria. Si vous recevez ceci, cela signifie que vous êtes non loin. Peut-être êtes-vous aussi un planète crafter. Le temps est exécrable et je suis à court de ressources. Il n'y a pas assez sur ce monde stérile pour pouvoir le terraformer. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette option. La mort aurait été préférable à cet enfer. Eh ben, si quelqu'un peut m'envoyer de l'aide, faites-le. Je vous en prie. Eh ben, c'est pas très... Oui. J'espère que, bon, il va s'en sortir. Cette personne va s'en sortir. Alors, ben voilà, hein. Voilà, voilà, je dis que c'est très bien là. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!